Si, vous passez, mais vous passez après la pause, c'est ça? Donc en fait, c'est Stéphane qui reprend le relais. C'est vachement bien ce que vous faites. J'ai regardé ce matin. Non, non, mais du coup, en fait, Stéphane m'a dit qu'il a introduit le début, mais si c'est en fait, pas grave. Vous m'entendez, c'est bon? Ok. Bonjour, bonjour. Désolé, je ne vais pas avoir le cran de le faire en anglais. Je suis vraiment très mauvais. Il faut que je pratique un peu plus. J'ai déjà eu l'expérience la semaine dernière. Je devais parler de l'Israël Kuhn dans la Perse médiévale pour la BBC. Ça a été un véritable désastre. Bon, je pense qu'on m'a pris pour le frère de Mohamed Merah. Donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui. On m'a invité aujourd'hui ici pour introduire un peu la culture de l'open source dans le milieu des arts. Donc je vais en parler un peu à travers quelques exemples, à travers ma discipline. Moi je suis artiste indépendant, j'habite dans la région, je suis installé à Lille. Je suis aussi enseignant maintenant. Ma discipline c'est les arts interactifs, donc je fais de la vidéo et du son en utilisant des softwares qui me permettent en fait de manipuler ces médias en temps réel. Donc je vais vous faire un petit topo en fait des logiciels que j'utilise, de pourquoi je les utilise, parce qu'il y a quand même une dimension sociale et éthique derrière tout ça. Qui a son importance dans le domaine des arts créatifs et numériques aujourd'hui. Tchouk. Tout ce bazar, parce que mes slides c'est quand même un assez gros bazar, donc si jamais je me perds dans mes propos, n'hésitez pas à m'arrêter en me disant « mais merde, tu dis de la merde ». Donc je vais vous expliquer en fait pourquoi l'open source et ces logiciels sont un véritable moteur, créent un véritable dynamisme dans l'imaginaire et dans la créativité des artistes et des créatifs d'aujourd'hui. Donc pour la petite historique en fait, moi j'ai découvert, je vais essayer de faire attention au temps parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup. Donc moi j'ai découvert en fait ces outils-là il y a quelques années quand j'ai commencé à faire de la musique électronique. Donc je suis arrivé dans le Nord en 2005-2006. J'ai commencé à composer de la musique électronique lors de masterclass d'un studio qui s'appelle Arzoid, qui est une sorte de centre de recherche et création musique électronique plutôt contemporaine. Et donc j'y ai pris goût, avant je venais du milieu rock, et donc voilà, j'ai pris goût à la programmation, j'ai pris goût à l'élaboration de musique acousmatique électronique. Le seul point qui m'a posé problème en fait, lorsque j'ai commencé à produire des choses, à essayer de les montrer à pas mal de gens, ça a été le live. Donc j'ai essayé de voir ce que les gens faisaient en live musique électronique, et j'ai été très vite extrêmement déçu. Parce que j'ai une éducation assez rigoureuse de la musique et j'ai eu l'impression qu'en fait on n'était pas sorti de la production acousmatique des années 50, 60 où on manipulait déjà des bandes, et encore aujourd'hui on se retrouve à des soirées où les gens posent des vinyles ou sont en train de mixer derrière des PC ou sont en train de toucher 2-3 poteurs sur une surface de contrôle pour mixer de la musique. Donc j'ai été extrêmement déçu par la performance électronique et du coup je me suis demandé s'il n'était pas possible de manière électronique ou de manière codée, de se créer ses propres instruments et de pouvoir en fait essayer de transférer toute l'énergie, toute l'assurance, toute la vibe qu'on pouvait avoir dans les milieux punk, rock, metal de l'époque, d'essayer de transférer toute cette énergie-là dans la
la musique électronique, et justement essayer de couper les artistes de musique électronique de leur PC, c'est de détacher ces gens-là de leur écran pour qu'ils puissent composer eux-mêmes avec, avec leur corps et avec de nouveaux outils. Du coup, première approche des logiciels libres, je vais revenir après sur le software que j'avais utilisé. Mais donc, en fait, ça a donné un de mes premiers projets. Il faut que je chope cette magnifique vidéo. Ça a donné lieu à un de mes premiers projets que j'ai appelé la vraie Air Guitar. Donc, c'est un projet de 2008. Donc, justement, l'intérêt c'était de pouvoir transférer cette énergie du rock à la musique électronique. Et donc j'ai eu l'idée, en fait, en regardant un soir un contest de Air Guitar. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la Air Guitar. Vous êtes en forme. La Air Guitar, en fait, c'est une discipline où les gens... le cadre, c'est un concours. Où les gens, en fait, font semblant de jouer de la guitare, comme les Guitar Hero, comme Slash, ou comme pas mal de gens à l'aise avec la guitare. Ils font semblant de jouer de la guitare sur une bande déjà préhabillée, et en fait, on les note sur leur performance. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, plus ils sautent partout, plus ils font n'importe quoi, et plus ils envoient du bois, et mieux ils sont notés. Donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ça, et pouvoir rejouer mes propres compositions sonores. Donc, du coup, j'ai conçu un outil, donc avec des capteurs... j'ai acheté, que j'ai rafistolé, j'ai créé une interface vraiment faite maison. Et surtout, j'ai scripté un algorithme qui me permettait de générer une guitare de synthèse et de pouvoir jouer sur une boîte à rythme. Donc ça a donné ce projet très drôle. Alors je reviens. Sans le son, c'est moyennement compréhensible. Je passe pas pour un con, donc autant je vais le faire. Ah, c'est bon. Hello, I'm Pierre from Tehran, Tennessee. C'est Jérôme, en fait, qui m'a donné l'idée de parler en anglais. Yeah, sure, the real hair guitar. I'm going to explain how does it work. This is my device and my laptop. I use several sensors like this for the velocity. They are my hand. Look at my hand, and they send information from this little Charles trigger, which is placed in my pocket, you know, here, and they are sent to my laptop, and they are sent to Pure Data software, which control guitar synthesis, or several guitar synthesis or symbol. Like, and now I can play some real guitar. Bravo! Qui a dit bravo? Moi!
pensais que c'était pas que ma femme. Mais... super. Donc, première approche du logiciel libre, extrêmement positive. Parce que, pourquoi ? Je vais y revenir un peu plus en détail après. Mais j'ai quand même fait quelques études informatiques au tout début de mes études. Mais j'en ai eu très très vite marre et je me suis orienté vers les arts plastiques assez vite aussi. Et du coup, c'était assez difficile pour moi de me réconcilier avec, les algorithmes, voilà, tout ce truc un peu prise de tête. Mais justement, en essayant de chercher des choses, je suis tombé sur ce socle qui s'appelle Pure Data, qui est assez particulier. Et le fait que ça soit open source et que tout soit ouvert, les choses, j'ai eu pas mal de lacunes à essayer de construire cette guitare de synthèse. Donc, une guitare de synthèse, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce n'est pas un sample, ce n'est pas un sampleur, ce n'est pas un séquenceur. En fait, c'est une... C'est une sorte d'oscillateur, une sorte de... C'est un instrument virtuel, en fait, qui a à peu près le même grain, la même couleur qu'une guitare. Et donc, le fait d'avoir travaillé sur un logiciel libre m'a permis, en fait, d'aller voir ce que d'autres gens ont déjà fait et essayer d'augmenter des oscillateurs ou des synthétiseurs qui avaient à peu près la couleur de la guitare et essayer de me l'approprier et après de pouvoir faire mon projet et le faire évoluer. Donc voilà, ça a été un des premiers avantages de la découverte en fait de l'open source et de l'art mêlé avec les logiciels libres. Il y en a beaucoup d'autres en fait. Le premier que vous connaissez, c'est qu'un logiciel libre, c'est souvent gratuit. Alors ça, c'est extrêmement important quand on est artiste ou designer. Pas mal de gens essayent de trouver des outils à leur goût, à leur convenance. Le problème, c'est qu'on est assez vite dépassé par les temps de démo, on ne sait pas trop quoi prendre, on n'a pas le temps de tester des choses. L'avantage d'un logiciel libre, c'est qu'il est téléchargeable tout de suite, il est cross-platform, donc il est multi-plateforme, c'est-à-dire qu'en gros, peu importe le système d'exploitation qu'on a, on peut très vite l'installer sur notre PC ou sur notre Apple, ou peu importe la merde qu'on a, et très vite tester des choses et savoir si en fait cet outil-là nous convient ou pas. Autre chose, qui est en troisièmement, c'est la communauté open source qui est extrêmement active en art, surtout autour des logiciels que je vais énumérer tout à l'heure. C'est extrêmement important aussi parce qu'il y a une certaine révolution que je vais parler, tout de suite après, une certaine révolution qui a eu lieu dans les années 90 où en fait on a essayé de vulgariser les logiciels open source et le script et le code pour que ça soit accessible par les artistes. Mais bon, tout n'est pas forcément compréhensible, chaque artiste a ses lacunes et donc il y a des choses sur lesquelles en fait on bute et on n'est pas capable de développer soi-même. Du coup, il y a quand même une très très large communauté d'artistes et de designers interactifs et aussi d'ingénieurs qui sont extrêmement actifs sur Internet et cette sorte de communauté sont là pour valoriser les projets qui sont faits. Par exemple, la AirGuitar a été reprise plusieurs fois dans pas mal de blogs, ce qui m'a ensuite fait... Arte est tombé dessus, on a pu racheter la vidéo, on a pu me diffuser sur une chaîne nationale, une chaîne nationale aussi en Allemagne, ça a pu pouvoir me faire tourner, et puis j'ai aussi... j'ai fait aussi du buzz sur le logiciel que j'utilisais, tout ça. Donc ça a été vraiment un véritable moteur sur pas mal de mes projets. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. La communauté artistique, créative, open source est quelque chose d'extrêmement présente lorsqu'on commence à coder et à faire des œuvres créatives libristes. Donc la valorisation, je viens d'en parler. Et surtout, en fait, quelque chose d'aussi très très important, c'est... donc ma discipline, c'est l'art interactif, donc je me sers d'ordinateur et d'algorithmes pour faire mes pièces. C'est la pérennité des projets. Un exemple très con, par exemple, lorsqu'on utilise un logiciel propriétaire, il y a quelques années, des artistes faisaient des pièces à l'aide de Director, qui est un peu l'ancêtre de Flash. Par contre, maintenant, ils sont pratiquement tous incapables de ressortir ces projets qui datent des années 90, parce que justement, ce logiciel-là est complètement révolu, qui n'a pas été mis à jour et qui n'a pas été adapté au nouveau système d'exploitation. Donc ce sont des pièces qui ont été perdues, qui peuvent tourner si on rachète un PC de l'époque et que tout soit vraiment d'époque. L'intérêt de coder des pièces avec un logiciel open source, c'est que les codes sont sources,
enfin les codes sont, enfin les codes et les sources sont libres. Du coup, en fait, dans 10 ans, je l'espère, enfin c'est toujours entre guillemets, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, si j'ai envie de ressortir un projet que j'avais fait il y a très très longtemps, je peux me l'approprier, recompiler les sources qu'il faut pour pouvoir mettre à jour le logiciel que je vais utiliser et le remettre au propre sur un nouveau système d'exploitation. Donc ça sert quand même à pérenniser des œuvres, et ça c'est extrêmement important vu qu'on est sur des choses qui bougent extrêmement rapidement dans le domaine des nouvelles technologies. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai parlé d'une certaine évolution qu'ont apporté les applications open source au milieu pour les arts numériques et les arts interactifs. Pour vous faire un petit historique, en fait, avant les années 80, et encore c'est pas encore très très démocratisé, populaire et puis entré dans les mœurs, pour faire une œuvre numérique, en fait, il y avait une seule méthodologie. En fait, c'était un artiste qui avait une idée en tête, ça pouvait aller de l'autre sens, mais généralement c'était une unilatérale. Un artiste avait une idée en tête, c'était un artiste, un théoricien, c'était quelqu'un qui pratiquait d'autres médiums que le code ou que l'informatique. Et en fait, son truc, c'était d'aller demander à un laboratoire ou à des ingénieurs de fabriquer en fait la pièce à sa place. C'est-à-dire qu'en gros, l'artiste ne dit vraiment rien du tout en informatique, il a une idée bonne ou mauvaise, et en fait, il décharge le boulot à des techniciens et des ingénieurs. Donc en gros, pendant pas mal d'années, on a eu des sortes de nègres, comme on a en littérature, qui ont dû produire pour des artistes, et qui n'ont pas forcément eu les mérites du succès de quelques œuvres. Donc, révolution, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont pas mal pensé à justement une certaine forme d'autonomie de l'artiste dans le milieu de l'art numérique. Le premier, ça a été, peut-être après ou en même temps, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent qui a commencé à dynamiser ce mouvement-là, ça a été Miller Pocket. Miller Pocket, qui est acousticien et ingénieur informatique, qui a lancé en fait, alors, en 88, il me semble, un logiciel qui s'appelle Patcher, qui a été racheté ensuite par une entreprise et qui est devenu aussi MaxMSP, donc MaxMSP que certains peut-être connaissent, qui permet en fait de générer du son et de la vidéo ou des images en temps réel. Et lui de son côté, en fait, toujours dans un souci de vulgarisation, il a fait une version libre de ces deux logiciels qu'on appelle Pure Data, et qui est très intéressant parce qu'en fait, on n'est plus sur la programmation linéaire, on est sur ce qu'on appelle de la programmation modulaire. C'est-à-dire qu'en gros, il a essayé de faciliter le travail de l'informaticien en transformant le code généralement linéaire, donc le script linéaire, sous forme de boîtes, de modules, qu'on assemble et qu'on encapsule pour essayer de faire un véritable algorithme. Donc en gros, c'est un outil codage, de script, entièrement graphique. Donc toutes les variables, toutes les fonctions, toutes les classes sont représentées par des boîtes qu'on assemble pour arriver à une fin. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, pas mal d'artistes, déjà à l'époque, c'était plutôt des artistes musiciens, se sont appropriés la bête et ont commencé à coder des librairies de plus en plus importantes, d'analyse d'images, de génération de primitives 3D. Donc aujourd'hui, Pure Data est quand même un outil assez complet pour générer des pièces audiovisuelles en temps réel. Donc toujours dans la mouvance, en fait, et toujours dans un souci de vulgarisation du code, on a eu le travail de John Maeda dans les années 90, qui lui était un designer graphique, qui a conçu en fait avec une équipe du MIT une technique d'apprentissage qu'on appelle le design by numbers. En gros, il a essayé de penser à... Donc là, on revient quand même à, vous voyez l'image, une sorte de programmation linéaire, donc toujours avec des lignes de code. Mais lui, il a complètement simplifié, donc on est sur une sorte de langage qui est un peu plus au-dessus que du Java, qui est assez simple d'apprentissage, mais le fait que en fait tout l'apprentissage se fait par la génération de dessins en temps réel est beaucoup plus agréable et beaucoup plus compréhensible pour celui qui commence à travailler avec. Donc excellent travail de John Maeda qui a donné en fait un logiciel qui s'appelle Processing, donc qui a été travaillé et développé au MIT, qui maintenant est un classique de la programmation temps réel pour les arts numériques, et qui a permis vraiment, donc avec Pure Data,
qui a permis vraiment de donner une certaine autonomie aux artistes, qui puissent enfin mettre un peu leur main dans le cambouis et pouvoir s'approprier le code comme médium. Donc vraiment, depuis les années 90, on a quelque chose d'assez intéressant qui a été poussé par le logiciel open source, qui a été en fait d'inclure le code, l'algorithme, en tant que médium artistique. C'est-à-dire qu'avant, on avait la vidéo, la photographie, la peinture, etc., etc. Maintenant, le code et l'algorithme fait vraiment partie d'un médium artistique. Donc c'est extrêmement intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que ce rapport qu'on avait unilatéral avec les ingénieurs et les techniciens est complètement différent. On se retrouve plus avec des partenariats et des associations d'idées qui sont de plus en plus intéressantes. Par exemple, je vais revenir sur un projet qu'on a fait avec Lille 1 et Classica il y a quelques années, il y a deux ans. Mais c'est assez intéressant parce que, par exemple, sur le domaine des IHM et sur le domaine de l'art et de l'esthétique, on se retrouve avec des problématiques communes auxquelles on essaie de répondre ensemble. Très concrètement, moi j'ai une problématique qui est la visibilité d'une œuvre d'art numérique. Qui en fait se rapproche plus en IHM peut-être, donc dans les interfaces de machine, à ce qui pourrait être en fait l'approche à l'interface. Donc en gros, moi ce que je cherche à faire en fait, c'est lorsque vous êtes dans une galerie d'art, ou un festival numérique, et que vous tombez devant une pièce interactive, moi ce qui me plaît en fait, c'est quand la pièce interactive parle directement au spectateur, qu'il n'y ait pas de mode d'emploi, qu'il n'y ait pas une sorte de jeu d'apprentissage, qui va avec, j'ai envie que ça parte directement à celui qui va l'utiliser. Et je pense que c'est une problématique qu'on a aussi en IHM, on essaie de créer des interfaces et de réaliser des interfaces qui sont de plus en plus instinctives. Voilà, donc par exemple, je vais vous montrer un projet qu'on a développé en 2010 qui s'appelle Boo, qui est une sorte de détournement de jeux vidéo. Donc très brièvement, en fait, c'est une installation interactive, on a une énorme projection sur un mur du fond, avec dans la scène un zombie en train de dévorer une personne, des tripes à l'air sur le sol. Et en fait, quand un spectateur arrive dans la salle, le zombie se lève, commence à vous suivre les yeux, à vous suivre dans l'espace, et puis être genre dans cette pièce-là, puis les zombies se génèrent automatiquement, et il y a une sorte de relation, de distance, de... qui se crée entre vous et l'avatar que vous avez créé. Et donc du coup, cette pièce-là a été réalisée avec, donc toujours dans l'éthique open source dont je suis fort attaché, a été réalisée avec Pure Data pour la captation des gens dans l'espace, et aussi par Blender, donc un Blender qui est un logiciel de 3D open source aussi. Pourquoi le choix de Blender? Je trouvais ça intéressant en fait. Donc on était trois sur le projet, donc moi en tant que coordinateur et script, un infographiste 3D et donc un ingénieur qui vient de l'équipe Gersica 1. Je trouvais ça intéressant en fait que tous les trois on soit exactement sur la même plateforme pour travailler ensemble, ce qui est assez compliqué quand on fait de la 3D parce qu'on passe d'une étape de modélisation à une étape de texturage qui en fait on change d'application en application. Pareil en fait pour la finalité, il faut que ça soit dans un module, une sorte de moteur de rendu 3D temps réel. Donc on change peu à peu d'application en fonction de la chronologie et du planning du projet. Donc moi ce qui m'intéressait en fait c'était de prendre Blender et qu'on puisse travailler tous les trois sur le même fichier. Du coup c'était un peu trivial, enfin c'était plutôt compliqué, parce qu'il nous manquait quelque chose, et il nous manquait quelque chose sur lequel en fait Guild 1 était en train de travailler. C'était une sorte de Blender un peu tout terrain qui était capable de lire autre que des événements clavier. Donc généralement quand vous jouez à un jeu vidéo, vous pouvez tapoter sur un clavier et puis manipuler la souris. Eux ils étaient en train de travailler sur une version de Blender qui pouvait communiquer avec d'OSC, donc un protocole réseau. Je fais ça assez vite, quoi, mais un protocole réseau, et donc avec ce protocole réseau, je pouvais justement y relier des analyses d'images ou y intégrer d'autres périphériques comme une caméra, une Kinect ou autre chose. Donc c'était intéressant, et donc ce qui a permis en fait de valoriser quelque chose qui se travaillait un peu dans l'ombre dans un laboratoire et de faire un projet un peu esthétique qui a eu quand même son petit succès parce qu'il a été repris dans pas mal de blogs internationaux comme Creative Application et Japan Creative, donc des blogs de design mais aussi de geek.
Donc on a pu faire parler de ce logiciel, donc Blender OSC, et aussi de mon travail, donc c'est, voilà, c'est assez intéressant. Je vous montre quand même les images avant de blablater trop. C'est où c'est là-dedans. Faut rouvrir au son. Faut. C'est pas nécessaire, mais si vous voulez vous souvenir avec. Je suis pas bon à gérer. Mais si, t'es très bien. Pour un t-shirt. Bah déjà, deux, c'est cool. C'était pas forcément pour me la péter, mais c'était juste pour dire qu'en fait ce projet-là qui pouvait peut-être rester dans un placard ou ne pas s'exporter, et ben en fait l'outil qui a été développé avec Damien Marshall à Lille 1 a été pas mal de fois utilisé pour d'autres finalités. Enfin, moi à chaque fois que j'en parle, j'essaie de le promouvoir, et puis je sais que sur la toile, quand on l'a posté sur les forums, pas mal de gens ont trouvé une utilité à l'utiliser. Donc c'est vraiment une sorte de dynamique, de pouvoir justement utiliser le code comme médium artistique et esthétique, et justement le pouvoir le partager pour que les gens puissent l'approprier, le dupliquer, l'élaborer, le finaliser, voilà quoi, qui est vraiment une grosse dynamique autour de ça, et qu'on puisse avancer dans le temps des problématiques qui nous touchent autant dans le monde esthétique, dont pas mal de gens s'en foutent, mais aussi dans pas mal de choses problématiques peut-être un peu plus communes et essentielles qui sont de l'ordre de l'ingénierie. Faut que je fasse vite là. Ouais. Bon, je vais parler vite fait. Donc, Pure Data, Blender, Processing, c'est pas mal de logiciels parmi tant d'autres. Donc pour ceux qui sont intéressés, je fais juste un blabla en disant que il y a pas mal d'autres softwares libristes très ancrés dans la culture art numérique, comme Open Frameworks ou Arduino, qui permettent aussi de faire des objets tangibles qui sont très intéressants, très intéressants à utiliser. Alors juste pour finir vite fait, on m'avait demandé de faire un petit speech sur comment en fait on gagne de l'argent en étant artiste, en utilisant l'open source. On ne gagne pas d'argent, malheureusement. Mais j'ai essayé de faire un petit état de l'art de ce qui avait, ce qui était possible en fait de faire pour financer des projets. Et je suis tombé sur pas mal de choses intéressantes, dont pas mal d'écrits de gens de chez ONI. Et je pense que vous l'avez invité ce matin, Monsieur Laurent Chemla, qui a dû faire un super speech sur... qui avait déjà écrit un super bouquin à l'époque qui s'appelait Confession d'un voleur, je crois. Très bon bouquin, je vous recommande. Très mal écrit, mais très bon bouquin. Très bonne réflexion. Et j'espère qu'il donnera ça. Non, il est parti, c'est bon. Cool. Et
Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, en fait, pour financer les projets créatifs? On a trois formes de subventions. On a des sortes de donations, c'est-à-dire qu'en gros, vous produisez un projet, vous le postez sur Internet, et les gens vous font des donations si ça leur plaît, s'ils vont chez soi, etc., etc. Donc ça ne marche pas très bien, parce que les gens ont tendance à ne pas mettre la main à la poche quand les choses sont libres. Et puis aussi le revers de la médaille, il y a pas mal de gens qui s'acharnent, qui font du harcèlement sur l'auteur en disant « il faut absolument que tu fasses une mise à jour, je t'ai donné de l'argent, donc reviens vers moi, là, là. » Donc il y a des gens qui ne mettent des plombs et qui ne publient plus rien.